cartes, et sur mes cartes, les cartes blanches, je viens attaquer sans premier. Standard, il n'y a rien de particulier pour l'instant, pas de technique, pas de secret. Juste, poum, faire, oh, comme ça, oh, poum, et je viens là. Ok, tout simple, je peux pas. Je fais, hey, regarde là, il vient, il dit non, et je dis, haha. C'est aussi simple que ça. Maintenant, au lieu d'initier l'attaque, pied droit, vous l'initiez du pied gauche. Donc ici, gauche, et vous pouvez le contrôler. Ça, c'est utiliser maîtrise de Hammi. On nous apprend en standard, isoku ito no ma'ai. Alors, isoku, c'est un pas romain. Tang, tang. Et ito, la distance du sa. Ok? Ça, c'est standard. Partout. Ce que vous venez de faire rejette l'idée d'un pas, d'un pas romain, et la distance du sa. Pour le remplacer par 4 pas, 2, 3, 4. Et ce petit exercice vous indique quelles sont les mesures, donc 4 divisions, les distances qui vous sont accessibles. Donc, monochi, koshi, poignet, donc extrémité, centre. Ce qui me permet, en un seul, d'accéder à mon adversaire. Vous enlevez sans difficulté dans la distance et vous êtes protégé. Ça va? Alors vous essayez gauche et au moment où il prend l'opportunité, il faut utiliser les instincts qu'il a de son système à lui. Donc, ici, maintenant, vous pouvez rentrer. Bon. Ça. Simplement absorber ça. Absorber. Bon. C'est toutes des techniques isoku ito no ma'ai, basées sur ça. Chaque fois qu'il fait quelque chose, ça agit contre lui. Ça, c'est ce que vous voulez développer. Il faut la souplesse. Même chose. Tu n'as pas de problème. Il suffit de faire hop. Ça va? Toujours la même chose. Donc ça veut dire que l'avantage, il essaye de multiples techniques. Et pour toi, avec cette entrée initiale gauche, vous pouvez juste faire la même chose. Quelle que soit sa technique. C'est bien, hein? Ça veut dire que c'est la même clé pour une multitude de cadenas.
That's enough quand c'est ouvert comme ça. C'est assez. Ça, ça change. Okay. Et là, je serai, quand la DAC elle est bonne, je serai mise à l'épreuve. Donc, ça me fait qu'il y ait. Il faut pouvoir le faire comme ça se présente. C'est comme vous voulez. L'un côté comme l'autre, mais on est sur une ligne droite. Ça, c'est le mouvement qui rend le plus dépouillé possible. Alors, tous ces mouvements comme celui-ci, ils ont une douzaine de façons de les exécuter qui sont chacun aussi valables que l'autre. Il faut les étudier un par un. Par exemple, j'ai été en arrière. J'ai été en avant. J'étais sur place. Trois différentes façons de faire. Lequel est juste, c'est celui qui marche. C'est possible de le faire aussi. N'est-ce pas? On est toujours sur une ligne droite. Ensuite, vous pouvez l'avoir. Vous rentrez après dans la ligne Sankaku, triangulaire, etc. Il peut y en avoir où vous vous déplacez. À un moment, ça descend. On va à l'encontre. Si j'arrêtais, ça serait ici. Et maintenant, ici. Ça va? C'est le même rendement. Donc le premier. Les hanches sont là où je travaille. Le deuxième, les hanches, ils sont en face de là où je travaille. Et le troisième, les hanches sont donc en face de là où je travaille. Ça, c'est l'élément le plus important que vous pouvez développer. Mais il ne faut pas quitter le contact trop tôt, c'est surtout ça. Quitter trop tôt. Et là. Et hop, pom, la même chose. Pom. Pom. Ça, c'est le fondamental, mouvement fondamental de base. Mais il est bien évident, vous pouvez faire avec le même pied. Tu peux avancer l'autre pied. Et des deux côtés, comme ça, avec ça, comme ça, avec ça, en croisant avec ça, tout est possible. C'est vous qui décidez en fonction de la distance, en fonction de la rapidité et en fonction de la façon dont il a attaqué. Donc je ne veux pas vous exiger ça. Maintenant, une bonne exercice à la base, c'est d'avoir quelqu'un qui fait l'ouverture, qui reçoit. Ouverture, qui reçoit. Chomène, qui lui fait chier. D'un côté, de l'autre.
Oui. Yes. Donc. Quand il revient sur le poignet, c'est Makiotofi. J'avance et c'est vraiment dans le salon où il a essayé de me taper. Ah ben attends, tu vas voir. Oh. Ah non, non, non. Pas d'accord. Etc. C'est un peu ça, c'est aller-retour. Il fait, je fais. Et on choisit un certain nombre de techniques et on le met ensemble. Ça peut donner l'impression de quelque chose de très sérieux et de très formalisé, mais il n'y en a pas. C'est juste le fait de faire. On a travaillé ce qu'on a travaillé et on a essayé de l'améliorer. Ça, c'est technique. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'éléments supplémentaires à ça. Par contre, dans le Kumidachi que vous avez fait, vous avez des éléments marais, du temps. Vous arrivez ici et puis. Là, il y a contenu une dimension aussi bien technique qu'une dimension c'est les éléments techniques comme Maï, par exemple, mais qui sont intangibles. Technique, c'est, ça se définit, c'est quelque chose que tu fais. Mais la dimension de la technique qui est invisible et indéfinissable, c'est par exemple le rite, Kyoshi, le Maï, la gestion de distance, le Sen, l'initiative. Quand vous faites ça, vous êtes en train de créer un climat d'initiative ou de pas initiative. Shise. Seichu Sen. Ce sont des choses qui sont présentes, mais ne sont pas forcément. Bon, Seichu Sen, c'est plus définissable physiquement, si vous voulez, mais si vous prenez quelque chose comme Kino Nagare, la continuité énergétique dans le mouvement, ça c'est beaucoup moins définissable physiquement que mentalement, mais en même temps, ça n'a pas la dimension spirituelle exactement. Okay. C'est pas tout à fait pareil. En revanche, quand on arrive dans ce, par exemple, ce Kumidachi, il y a globalement l'idée qu'à chaque moment, je peux l'avoir avec ma technique, mais que, malgré tout, chacun est parmi l'autre pour faire la continuité. Thank you.
Cette idée, au lieu de chaque fois prendre la vie, si vous voulez, ou tuer quelqu'un par la technique, c'est de l'épargner. C'est un petit peu une idée de Satsujin To, Katsujin Ken. Ok, bon, pas tout le monde connaît ça. Mais ça peut être vu comme une dimension ten ou de l'esprit. So, ten, une dimension spirituelle dans un travail. Jin, l'homme. Donc, et chi, terre, la base. Donc la base technique, la base morale, c'est des éléments que l'homme peut, par exemple, sentir. Le contact de l'énergie, la dynamique du mouvement. L'homme peut en être conscient. Je doute fort que un animal, par exemple, il peut le vivre, mais il n'est peut-être pas forcément conscient de ça. L'homme peut être conscient. Donc voilà, trois dimensions, Ten, Jin, Chi, Gedan, Chudan, Jodan.